moment, vous allez, attention, à force de nous faire la guerre, regardez-moi s'il vous plaît, mon frère. À force de nous faire la guerre, vous êtes en train de nous apprendre l'art de la guerre. Et cet éléphant qu'on appelle la République démocratique du Congo, aujourd'hui, aux jambes un peu brisées. DRC into this forum, and we thank India for organizing all this, but it's better not to mislead the world. There are certain solutions that are going forward, and Rwanda would like to have our neighbor to privilege, to take privilege of the peaceful solutions of the conflict. Thank you so much, Excellency. Merci beaucoup. Vous aurez pu parler en français aussi. Mais je parle et j'entends l'anglais. Mais puisque j'ai compris que vous parliez pour vos autorités aussi, qui les écoutent, que vous les avez défendues. Ça, je vous comprends bien, vous êtes dans votre rôle. Mais vous savez très bien que depuis 1994, s'est passée une tragédie au Rwanda, le génocide. Nous avons tous condamné ce génocide en présence des troupes des Nations Unies au Rwanda. Et la République démocratique du Congo, vous êtes d'accord avec moi, n'était pas impliquée dans le génocide. Ça, nous sommes d'accord. Est-ce que le Congo a fait le génocide au Rwanda? Mais quand même, vous souvenez. Non, que... je pose la question d'abord. C'est souvenir, c'est autre chose. Je dis, est-ce qu'au déclenchement du génocide, la République démocratique du Congo était au Rwanda? Non. C'est non. Et c'est au contraire. La force congolaise n'a pas été aux côtés des génocidaires avant? Non, vous savez que quand vous parlez. Madame, asseyez-vous, s'il vous plaît. Excellence. Vous savez que quand vous parliez, je vous laissais. Non, please. C'est très intéressant, madame. Vous avez peur de quoi? La vérité est claire, pas comme l'eau des roches. If I could give you. Politique de l'hospitalité. Quand on a tué les gens au Rwanda, et quand les Tutsis ont voulu se venger, 2 millions de personnes ont traversé notre frontière commune. Je ne suis pas en train de raconter des histoires. Et sont venus dans les provinces du Nord et du Sud qui voient. En présence, s'il vous plaît, des troupes des Nations Unies qui étaient là-bas, qui auraient pu, à ce moment-là, séparer les civils et les militaires et désarmer les militaires avant d'entrer sur le territoire congolais. Et plus tard, à l'époque de Mobutu, on va organiser la tripartite Rwanda, Zaïre, devenir la République démocratique du Congo, et les HCR, sous le gouvernement Léon Kengo-Walondo. Et nous avions désigné le site où on devait éloigner les réfugiés rwandais pour éviter qu'ils ne constituent une menace pour leur pays, à au moins 150 km de la frontière commune. Et au moment de le réaliser, ce n'est pas la République démocratique du Congo qui a dit non. Et après, vous avez pris prétexte, puisque vous avez hébergé les Hutus chez vous, c'est une menace contre nous, et donc, une guerre des agendas. Vous allez recruter Laurent Désiré Kabila de Rezme. Laissez-moi terminer, vous avez parlé, ça c'est la technique de chez vous, laissez-moi terminer. Il faut savoir écouter, je vous donnerai le temps, vous allez parler. Si vous n'avez pas peur de la vérité, laissez-moi éclairer l'assistance. Je termine, je vous promets, vous aurez la parole encore. Merci, laissez-moi terminer. Alors, vous avez pris prétexte du fait que, soi-disant, une catégorie des Congolais n'était pas suffisamment représentée dans les institutions. Les Banyamulenge, qui sont des Tutsis. Mais alors qu'en ce moment-là, paradoxalement, les ministres des Affaires étrangères, c'était Bizimakara et les Tutsis. Et je peux vous citer la liste longue. Tous les services de sécurité, c'était les Tutsis. Les chefs d'état-major général de l'armée congolaise, non seulement Tutsis, mais du Rwanda, James Kabarebe. Qui peut être aussi généré pour prendre un ressortissant voisin pour en faire son chef d'état-major général? Vous ne trouvez pas que le Congo était très gentil et très généreux et victime de sa générosité? Et en 98, le 27 juillet 1998, quand Laurent Désiré Kabila, lassé, la population lassée par des violations à répétition des droits de l'homme, des soldats rwandais qui avaient accompagné les forces de libération, il devait faire un choix. Ou
Il est du côté du peuple où il demande aux officiers et soldats rwandais et ougandais de rentrer chez eux. Le 27 juillet 1998, il a fait le choix des Congo. Et comme par hasard, le 2 août 1998, nous sommes envahis par le Rwanda et l'Ouganda. En Arizona, un avion décale, compagnie aérienne congolaise, pour aller atterrir à Kitona, prendre le barrage d'Inga, plonger Kinshasa dans le noir, ni têter l'intervention de toute la SADC, le Zimbabwe, la Namibie et l'Angola, nous serions aujourd'hui peut-être effacés de la carte. Donc ces troupes sont venues pour rien. Nous avons menti, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas d'agression, alors qu'il y a eu le sommet de Victoria Fosdé, le 8 août 1998, au Zimbabwe, où on a envoyé les avions de chasse à Kisangani, à Goma, pour vérifier si nous sommes effectivement dans une agression. La communauté internationale a mis combien d'années pour reconnaître? Il y a eu la résolution 1, 2, 3, 4 du Conseil de sécurité. Il y a la résolution 15, 300. Quand vous, les Rwanda et l'Ouganda, vous êtes bâtis dans la ville de Kisangani, entourés des jeunes, des femmes, en les jetant dans les rivières. Là aussi, c'était pour sécuriser les Rwanda? Non, c'était les minéraux du Congo, de l'or, de la province orientale. Et donc, je peux vous faire un développement pour vous démontrer que, mon cher, vaut mieux que nous vivions en bonne entente en tant que voisins. Et pour vivre en bonne entente, nous devons nous dire la vérité. La vérité n'a pas de lieu ni de temps. S'il faut dire la vérité en Inde, à l'occasion de ce conclave, il faut dire la vérité. Et vous voyez que des chocs des idées va jaillir la lumière. Je pense qu'en partant, vous aurez un message pour vos autorités pour dire que les Congolais veulent la paix. Mais qui veut la paix prépare la guerre, parce qu'ils n'auront pas accepté que vous puissiez travailler. Thank you. Faisons le développement, ne faisons pas la guerre. Développons la sous-région ensemble. Et pour ce qui se passe maintenant, pour terminer, les M23. On avait commencé d'abord par les RCD, Goma, les MLC. Et l'Ouganda soutenait les MLC, le Rwanda soutenait les RCD, c'est évident. Parce que nous avons eu l'accord de Sun City le 17 novembre 2002, devant tous les chefs d'État africains et la communauté internationale européenne. On a signé un accord qui nous a donné de laisser là-bas. Laissez-les, Bouchiri. Bouchiri. Mais pourquoi vous êtes Bouchiri? Vous êtes agité, pourquoi? Laissez, nous sommes dans le cadre de vigilance de la vérité. Vous avez peur de quoi? La vérité de notre côté, il ne faut pas avoir peur. Vous m'étonnez parfois. C'est l'occasion que le monde entier sache ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. J'ai dit, ce groupe que vous avez supporté, portait le nom de RCD et MLC. Et par la suite, comme une génération spontanée, on donnait naissance au CNDP, au SNKML, au SND national. Et puis finalement, le CNDP mis en déroute par la brigade internationale devient, après les élections de 2011, le M23. Et on arrête Post-Contaganda, Kundafui, il est où? Il est au Rwanda. Et tout ça, donc, c'est des mensonges. Et finalement, après les élections de 2018, l'élection de Félix Tshisekedi, après 2 ans, on apprend que non, le M23 n'était pas totalement mort. Il vient de renaître de l'Ouganda et du Rwanda. C'est une rébellion congolaise. Et donc, le M23 est là, vous le reconnaissez. Alors, je voudrais terminer en disant ceci. En vous regardant dans les yeux, mon frère et cher voisin. Ce n'est pas Félix Tshisekedi ni les Congolais qui avaient dit que le Rwanda était en République démocratique du Congo. Le premier, c'est le rapport des experts des Nations Unies qui a certifié de la présence des troupes rwandaises. 2. Le monde entier vous conseille de vous retirer de la République démocratique du Congo réellement. Et nous allons retirer vous. Et moi, j'ai fait. Moi qui vous parle, j'ai suivi que le manager de Mahindra vous avait dit que je suis un faiseur de paix. Effectivement, au mois de septembre, j'ai terminé le 27 septembre 2022, j'ai fait la tournée de toutes les zones de guerre de la République démocratique du Congo, y compris Bunagana, Rutshuru et partout là-bas. Et nous vous avons proposé un plan de paix et non un plan de guerre. Et si vous ne voulez pas reconnaître que vous nous avez agressé, si vous avez agressé, donc le diagnostic, s'il est déjà biaisé dès le départ,
on ne trouvera pas la thérapeutique. Soyons panafricanistes, comme vous l'avez dit. L'Afrique doit aimer l'Afrique. Le Rwanda, géographiquement. Et si le plan historique, personne ne va le déplacer. La République démocratique du Congo, géographiquement, demeurera jusqu'à la fin des temps le voisin du Rwanda. Alors, d'après vous, quel est le modèle qui peut nous inspirer? C'est le modèle de la France et de l'Allemagne. Se sont fait la guerre pendant longtemps. Aujourd'hui, ils sont devenus des complices dans le cadre de l'Union européenne. Vous ne voulez pas ça, vous continuez à dire que vous n'êtes pas chez nous. Mais comment vous allez, attention, à force de nous faire la guerre, regardez-moi s'il vous plaît, mon frère. À force de nous faire la guerre, vous êtes en train de nous apprendre l'art de la guerre. Et cet éléphant qu'on appelle la République démocratique du Congo, aujourd'hui, aux jambes un peu brisées, il va s'élever, il va marcher. Mais il ne va pas marcher sur vous. Il va tirer tous les voisins vers le développement, vers les rendez-vous avec l'espérance. Parce que notre vocation à nous, ce n'est pas de faire des